Army, are you ready? K-pop style, exclusive. BTS Now by DJ Wars. The Korean French Touch. Bonjour, je m'appelle DJ Wars, je suis DJ K-pop à Lille, en France, et j'organise des soirées partout également en France. Je suis aussi président de l'association K-France, qui est une association dédiée à la culture coréenne, au développement de la culture coréenne en France. Et je suis aussi également créateur d'une marque de vêtements du nom de Ecorwear. Pouvez-vous nous parler un peu de vous et de ce que vous faites en tant que DJ K-pop et organisateur d'événements coréens en France ? Alors tout d'abord, DJ, ça fait quelques années que je suis. J'ai commencé par le hip-hop il y a quelques années, en 97. Et progressivement, en tant que DJ, étant dans le hip-hop, le R&B, la funk, progressivement j'ai changé plutôt de style musical vers les années 2010. Et depuis 2016, je me suis vraiment lancé dans la K-pop en tant que DJ. Et donc depuis, j'organise des soirées, je participe à des événements autour de la K-pop, des événements coréens en France. Je mixe depuis pas mal d'années et au niveau de la K-pop, je mixe vraiment depuis 2016. J'organise aussi des soirées et je prépare aussi des sorties de mixtapes, donc ce sont des compiles enregistrées dédiées à la K-pop qui se font pas habituellement dans la K-pop. Okay. En tant que directeur du festival de Seollal qui se déroulera à Lille les 20 et 21 janvier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement, les artistes présents et les activités qui sont prévues ? Alors bien sûr, à côté de mon statut de DJ, j'organise avec mon équipe qui s'appelle K-France, qui est une association basée en France, hein, on est une association atypique. Nous avons développé depuis 3 ans le festival qui s'appelle 1, 2, 3 Seollal, qui est un festival dédié à la découverte de la culture coréenne. On a commencé par un tout petit événement après Covid parce que on en avait marre d'être enfermé et qu'il fallait trouver quelque chose pour pouvoir se libérer, pour pouvoir faire la fête ensemble. Le premier festival était en 2022. Un petit événement, on avait 900 personnes sur une journée. Ça s'est super bien passé. Donc on a voulu réitérer sur la deuxième édition. Donc cette année c'était la deuxième édition en 2023 avec Gao en guest. La troisième édition sera organisée au mois de janvier avec bien évidemment beaucoup d'invités de Corée, des influenceurs issus de télé-réalité coréenne, en particulier Jun Tarzan de 100% physique, Choi Jong-woo de Single Inferno 2 et Mr. Korea Jung Tae-chun. Et bien évidemment, en guest, nous avons invité un guest coréen qui est une icône en Corée qui s'appelle Lee Seung-gi. Et on l'a invité en France pour le public faire un petit concert et bien évidemment faire la fête avec le public français, mais pas que français. Mondial, puisqu'on a vraiment un public issu des quatre coins du monde qui viennent en France pour voir Lee Seung-gi. Donc on appellera ce festival un festival international pour la troisième édition.